Bonjour YouTube, bienvenue sur un nouvel épisode de Doom, sur une nouvelle session de live. Et puis on s'est arrêté à la fin d'un niveau, et là on retourne du côté de Mars. Let's go, on prend le portail. Et c'est parti. Et pour répondre à Marceau qui demande si j'ai passé une bonne journée, c'était une journée de boulot, donc c'était un peu long, un peu chiant parfois. Mais ça va. L'accès au BFG 10 000 se trouve de l'autre côté de ce bâtiment. Alerte. Comment ils flippent tous devant le Doom Slayer? Sacré gros canon. La source d'énergie du BFG 10 000 devrait aussi vous intéresser. Génial. Génial, Mafia. Je sens que je vais regretter le truc des défis. Allez, c'est parti, on se remet dedans. Ça fait un petit moment que j'ai pas joué. La preuve, je ne sais plus viser. Mais ça va aller. Donne-moi des munitions. Aussi que je pense que on est en live, pas que je m'enjaille juste sur la musique. Petit secret par ici. Ah bah c'est sûr qu'il est encore plus rythmé que le Doom 2016. Ah non, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un d'autre, mais... Pas du tout. J'ai pas loupé de secret, non. Pas de choses à récupérer. Et c'est parti. Alerte, menace Slayer de niveau maximal. Voilà.
objet 10 000. Alors, j'ai juste pas regardé les défis du niveau. Tuer 40 démons avec une très grosse arme, donc ça il va falloir récupérer le BFG. Pas de bras, détruisez 3 points faibles, canon de bras de Mancubus et trouver la clé du Slayer. Très bien. Bien, bon courage sur FF4 Florian. Alors comme d'habitude, hein, je cherche les secrets. Derrière la porte. Qu'est-ce que je vais prendre? Oui, voilà. Pourquoi pas? Pour l'instant, je reste avec cette arme, ça fonctionne bien. Ah, grosse musique. Pas dû prendre ça. Allez, explose toi. Alerte. BFG 10 000. Tire. Ah, pour retourner sur Doom 2016, peut-être juste pour voir la différence de feeling, mais c'est sûr que on n'est plus sur le même jeu. Alerte, le BFG tire. Tac, tac. Non, c'est pas ça que je veux, c'est ça. J'ai eu C. Non. Alerte. Ah, je suis bloqué. Ah bah oui, j'ai ça aussi. Non, je vais dire j'ai réussi à la louper, mais non, ça va. Mais c'est sûr, je comprends pourquoi tu disais que c'est compliqué de retourner sur le Doom 2016. Tellement ils ont poussé la formule assez loin, maîtrisé et tout ça. Et quand même sur quelque chose de extrêmement qualitatif. Ah, je l'ai loupé. Voilà, c'est juste que je veux un peu augmenter la maîtrise. Truc en dessous, mais je pense qu'il faut l'atteindre par ici. Tire.
Oula, il a l'air énervé lui. Mourir. Alerte. Le BFG 10000 tire. Voilà. Je commence à être... un peu à court de munitions. Ah, je suis mort. Voilà. Oui, par contre, le alerte, le BFG 10000 tir. Je pense qu'il y a quoi de devenir un petit peu fou à force de l'entendre. L'entrée est bloquée. Ils savent que vous essayez d'entrer. Les plans indiquent une trappe de maintenance sur le pont. BFG 10000, tire. Alors, c'est en dessous de moi, mais... Non. Parce que... Alerte, le BFG 10000, tire. Ah, c'est là. Alerte, le BFG 10000 tire. Non. Bon, a priori, c'est pas comme ça. Je me demande de me faire descendre. Peut-être juste en prenant le tuyau, on va voir. Ah oui, bah, c'est plus simple. Et vous savez ce qu'il fait le BFG 10000? Alerte, le BFG. Il tire, exactement. Maintenant qu'il faut que j'aille. Hop là. Très bien. Ah, j'avais pas compris. Excusez-moi, je suis un peu loin à la détente. Ok. Alors ici, il y a un jeton dessus. Je pense que c'est un peu sur notre route.
Au moins, on l'entend plus, là. Nous parler du BFG 10 000. Vérifie juste... ok. Et petite lecture. On a récupéré le BFG 10 000. Servant à l'origine de relais miniers et de communications, l'avant-poste de l'UAC sur Phobos commença immédiatement à s'étendre suite à la destruction des bâtiments argent sur Mars. Le comité de direction de l'UAC, voulant à tout prix conserver son monopole sur la planète rouge et ses alentours spatiaux, ordonna la construction coûteuse d'une plateforme défensive. Le plan consistait à créer un canon à particules géant sur la Lune en orbite à l'aide d'une technologie dérivée du BFG 9000. Le BFG 10 000, la plus grosse plateforme armée jamais construite par l'homme, est suffisamment puissant pour tenir tête aux plus modernes des vaisseaux capitaux, voire une menace démoniaque venue de l'espace. Et surtout, n'oubliez pas que le BFG 10 000 tire. Sur ce... Ah, évidemment. Évidemment, je me suis fait cramer au moment où je passe. Ah, je dirais quand même l'étoile de la mort. Plus forte que le BFG 10 000. Je ne comprends pas, ce type ne fait pas peur. Et qu'il essaie un peu de... Cette nacelle de commande contient la source énergétique du BFG 10 000. Je vous la baisse. Oh, le comédien, je l'ai à peine touché. Alerte. Surface martienne visée. Mécanisme de sécurité. Désactiver les protocoles de sécurité. Elle va s'autodétruire. Nous devrions continuer. Danger. Évacuation du personnel vers Mars. Le Slayer a pris le contrôle. Le BFG 9000 est capable de tuer la plupart des démons d'un seul tir. Appuyez sur LT pour lancer une boule d'énergie colossale produisant des éclairs mortels à proximité des démons. Après, le BFG 10 000 se défend. Voilà. Plus de combat. J'en ai eu combien comme ça? Oh, que 15. Ouais, il se défend bien quand même. Mais disons que c'est un petit tir de l'étoile de la mort. C'est un peu le tir qu'on voit sur Jedha dans Rogue One. Mais nous n'avons aucun moyen de l'atteindre d'ici. Alors, je vais faire des jumps. Ça passe. Alors... Tu veux que j'aille là? Pas de secret dans les airs? Non. Thank you.
Oui, voilà, ça fait Alt F4 sur la planète, il n'y en a plus. Ok, il y a un gros combat qui nous attend à l'arrivée. Bah, c'est un peu ce que je suis en train de faire, donc oui. Alors déjà une vie. Et ceci est verrouillé. Alors que je réactive le courant quelque part. On va continuer par ici. Ah non. Ah non, ça faisait longtemps. J'étais bien content. On va skiller leur totem de boost. Évidemment. Bah non, c'est pas ce que je voulais faire. Non, je cherche votre totem. Et il y a un caco-démon renforcé, bah super. Déjà le caco-démon, on en parle plus. Oui, faut pas le frapper. Il faut pas lui tirer dessus, il faut le frapper. Tiens, un chat. Petite brûlure d'estomac. Donne-moi de la vie, merci. Ah, toi, il faut que je te tire dans les bras. Tac. Allez, hop. Ok. Non, j'ai pas paniqué. Les munitions. Ouais, je pense. Je pense que je pourrais revenir. Quand même curieux. Casser ici. Quel est l'intérêt? Non, y a rien. Ah oui, d'accord, tu me ramènes ici, toi. Ah si, c'est là. Ok.
Hop. J'avais pas vu la petite entrée. Ah, écoutez, on va faire une tentative sur la rencontre secrète. Échoué. Bon. Je les garderai pour quand je ferai moi les succès. Ça consomme trop de munitions et tout ça, c'est trop long. Un petit rôdeur, très joli toujours, ces petites figurines. Accès accordé au canon de surface. Chargement manuel en cours. C'est une arme, pas un téléporteur. Oh bah tu sais, si ça arrêtait le Doomslayer, ça se saurait. Ça c'est drôle comme phrase. Et écoutez, c'est parti pour la propulsion. La catapulte ionique est conçue pour ne tirer que des munitions approuvées par l'UAC. Mais si, t'inquiète, je suis approuvé. Et ça, c'est badass quand même. Effectivement, ça ferait un bon spot publicitaire pour la Croix-Rouge. Regardez si par ici il n'y a pas des choses. Après, tout est cassé en bordel. Toi tu meurs. Attends. Hop, petit code de triche. Après, il faut aller dans les hauteurs. Ça va pas être troisième. Voilà. Ménage. Un autre jeton. Ah, il y a encore pas mal de choses à faire. J'ai 6 points.
Et là, j'en ai 5. Ouais, mais le truc, j'utilise pas. La glace. Hop, on va prendre ça. On va prendre ça aussi. Voilà. Ok, plutôt pas mal. L'autre, il est au-dessus. Et si on étend, comment je vais au-dessus? Pense comme ça. Voilà, un joli vinyle Doom 64 intro. On se mettra ça la prochaine fois qu'on retourne à la base. C'est plutôt bien, je refais le plein de vie. Ça a osé. Ça a osé la vanne sur les tentacules. Est-ce que je peux. Non, j'ai. À moins que. Ah, j'ai quand même un doute là. Non. Je pense qu'il faudra. Ah, je pense que j'ai loupé le secret. Bon, on fera peut-être une petite. Aïe! Oui, Dead or Alive, c'est quelque chose. Ah, à moins que ce soit là-dedans. Pas mal. J'ai. Ouais, j'ai pas tant que ça. On va dire que les rencontres secrètes, je vais les laisser parce que c'est plus de la perte de vie qu'autre chose. Voilà, un autre petit jouet. Où suis-je? Ok. Secret récupéré. Let's go. Et là. Ok. Bonjour. Au revoir. Donc toi tu peux aller dans les trucs qui. Ça explose ça? Tu peux aller dans les cercles rouges et pas moi. J'aille là. Ok. On va se propulser là pour aller sur la plateforme suivante. Nickel. Très cool comme niveau également en termes de design. J'aime beaucoup. Ah, je suis trop con. Ah ça par contre tu m'emmènes loin, c'est moins bien.
Ah là, c'est passé. Voilà pour lui. Attends, il est où? Allez, c'est la guerre. Voilà, déjà un. Voilà. Toi, donne-moi des munitions. Merci. Oui, c'est vrai qu'il me pousse à utiliser PFG, chose que je ne fais pas. Alors que j'ai un défi pour ça. Tu fais bien de me rappeler, Mafia. Pour le coup, je l'avais complètement oublié. Voilà. J'avais pas envie. Quelqu'un. Ah non, j'ai essayé un truc. Ouais, j'ai loupé deux plateformes, mais c'était pas très très important. Aïe. Oh là. Bonjour. Rebonjour aussi. Voilà, parlez-vous. Ils sont costauds hein, ceux-là quand même. Là-haut, mais comment je vais là-haut, moi? Il a fait ça. À moins que j'aille. Ouais, non, je suis trop con. Bon, il y a des gens qui explosent des choses. En fait, il faudrait que j'aille là. Je
je peux pas aller de là-bas. Mais bah non, je suis trop court. Non, ça passe pas. Il y a un truc que j'ai... Ah! Si, j'ai trouvé. Excusez-moi. Je reviens un petit peu en arrière. Voilà, c'est ça qu'il me faut. Oh bah évidemment. Ok, c'est bon, je l'ai eu. C'est bon, je suis satisfait, on peut avancer. Excusez-moi, c'était peut-être un petit peu long. Où est-ce que t'es? T'es au-dessus. Oh bah si, ça passe. Bon, là-bas. Petite munition du BFG. Je suis à combien? 27. Bon, faut 13. Ah, bonjour. Voilà. Ah, vous êtes suffisamment nombreux ou pas vous? Yes! Ah non, pas toi. Ah tiens. Il y a moyen quand même de lui mettre dans la bouche. Il y a une petite vie sur le côté. Un truc... Aïe. Ah, c'est le tonneau explosif à côté qui l'a one shot. D'accord. Ah bah j'ai cru avoir du skill. Tant pis. J'ai eu du bonheur pendant quelques secondes. Comment je t'atteins, toi? En fait... Ça passe, ça? Oui, ça passe. Je sais pas si c'est très réglementaire, mais c'est passé. Ok, petit cristal. Hop. Boost d'armure du crasher. Tu es très joli, tu sens très bon. Merci Mathia. Ah.
Je vais mourir. Ah, c'est de l'autre côté, d'accord. 5 vies, ça passe. Ah, je sais pas, hein. Faut déjà que je trouve la clé. Ah bah elle est là-haut. Toi, je m'embête pas. Ok. Aïe. Totalement en train de m'éloigner. Non, faut pas que je passe là-dedans, ça c'est sûr. Je peux pas grimper là. Alors. J'en étais sûr qu'il y en avait un quelque part. Donc la porte elle est là. La question c'est comment faire pour aller chercher la clé. Ce serait en face. Ouais, là c'est pas évident. Il n'y a pas un bouton que je peux... Aha. Un autre vinyle avec une musique de Quake Champions. J'ai la clé. J'ai pas d'armure avant d'aller faire la porte. Toujours verrouillé, toi? Bon, écoutez, celui-là, je vois pas comment te déverrouiller par contre. Je regarde s'il n'y a pas. Un bouton, ça s'ouvre pas ça? Non. Bon, après j'ai juste trouvé un bouton, hein, c'est
Ça va. J'ai vu plus dur comme énigme. Mais c'est vrai que comme le jeu te l'indique pas. Tu peux tourner un petit moment avant de le trouver. Par contre, elle. Peut-être de l'autre côté. Bon. Au pire, on descendra et on verra bien. Mais vous le voyez venir, évidemment. Vous me voyez venir avec mes gros sabots. Ça va être le moment de couper ce premier épisode de cette session de live. Avant d'aller enchaîner sur la porte du Slayer dès le prochain épisode YouTube. Je vais souffrir. Je vais être très concentré. Mais ça, ce sera la prochaine fois. J'espère que cet épisode vous a plu. On a eu quelques cinématiques. On a eu des moments plutôt badass. Et je me suis pas trop mal sorti, je pense. C'était assez fluide, je crois. Donc voilà. J'espère que cet épisode vous a plu sur YouTube. On se retrouve très vite pour un deuxième épisode sur cette session. En attendant, portez-vous bien et à la prochaine.